Demain, lundi 14 novembre, c'est jour de classe pour tous les élèves. Les enseignants sont invités donc à la reprise des cours. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève. Devant débuter de lundi 14 au vendredi 18, l'ISEPSI appelle tous les enseignants à reprendre les cours dès demain lundi. Nous écoutons le porte-parole. Déclaration de l'ISEPSI relative au mot d'ordre de grève et de boycott des cours primaires. Suite à l'arrêt de travail du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2016 et insatisfaite du traitement réservé à ces revendications par le gouvernement, l'ISEPSI a appelé les instituteurs et les institutrices de Côte d'Ivoire à observer un arrêt de travail du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016. Le ministre de l'Éducation nationale a appelé à une négociation ce jour, samedi 12 novembre 2016. À l'issue des discussions, les points suivants ont été arrêtés. 1. La mise en place d'un cadre de discussion qui va examiner toutes les questions inscrites dans le préavis de grève, hormis les questions transversales telles que le paiement du stock des arriérés et le retrait de l'ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pension gérés par l'IPS Ségrave. 2. La désignation des membres de l'ISEPSI devant siéger dans le cadre de discussion. Sur la base de ces acquis, l'ISEPSI suspend son mot d'ordre devant courir du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016 et invite les enseignantes et les enseignants à reprendre les cours ce lundi 14 novembre 2016, fait à Abidjan le 12 novembre 2016 pour la direction de l'ISEPSI.